Et salut à tous, c'est Adrien, aujourd'hui on se retrouve pour... Non, on va recommencer. Et salut à tous, c'est Adrien, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ce Let's Play sur Bioshock Infinite. J'espère que vous allez bien, je n'ai jamais joué au jeu, c'est une totale découverte. Jusqu'à ce que... soit à peine visible. Voilà. Ok. Frrr. Magasin, c'est une baisse. Quoi? Ok, bon. Je sais pas, je m'en fous puisque. Vidéo. Excusez-moi, je fais mon petit truc. Donc, oui. Oui, moi j'avais ce titre. Je n'ai. Jamais joué à Bioshock Infinite, normal, vous me direz. Mais bref. Alors, je vais être franc avec vous. Je sais pas si ce jeu, je vous le publierai beaucoup. Je pense que je mettrai premier épisode et si je vois que ça vous plaît vraiment, je le mettrai quoi. Parce que ce jeu, j'ai envie d'y jouer pour moi en fait. Alors d'habitude, je joue au jeu pour moi et pour vous. Enfin, pour vous et pour moi, pour être poli. Mais là, franchement, en fait, c'est savoir, il est quoi? Il est 8h. Il est 8h du soir. Nous sommes le 3 mai. Voilà. Nous sommes le 3 mai. Et là, je vais jouer. Voilà. J'ai pas d'autre mot à dire. Je vais jouer. Je ne couperai pas pour faire des épisodes. Je couperai au montage. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Peut-être que je finirai le jeu ce soir. Peut-être que à 3h du matin, je continuerai de jouer, je parlerai et tout, et puis j'aurai fini l'enregistrement du jeu et tout. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment structuré ça. En fait, j'ai juste me contenter de jouer parce que j'ai envie d'y jouer pour moi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai envie d'y jouer pour moi. J'ai envie de découvrir le jeu tranquillement, peinard, sans me forcer à quoi que ce soit, à m'organiser ou voilà. Donc, en fait, je vais faire une grosse session de jeu. Voilà. C'est tout. Et donc, ce que je ferai, je pense, c'est que je vais mettre en ligne le premier épisode. Si je vois que ça vous plaît et que vous avez envie d'avoir la suite, je vous mettrai la suite. Sinon, bah tant pis, je ferai autre chose à la place. Voilà. Si je dis ça, en fait, je pense qu'il y a vraiment eu trop de Bioshock sur ces derniers temps. Le jeu est sorti, tout le monde en a fait un. Même moi, j'ai trouvé ça d'un point de vue overdose. Et pourtant, je suis le genre de mec qui vous dit ouais, bon, il a été fait 1000 fois. Pff, oh, who cares? Je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment eu trop de surdose. Surtout que c'est Bioshock Infinite! C'est un jeu que vous devez de faire. Je ne sais pas si. Enfin, je dis ça en avance parce que j'ai joué au premier Bioshock. J'ai pas fini le premier Bioshock parce que j'ai flippé à un moment, en fait, voilà. Mais rien que le peu que j'ai joué au premier Bioshock et le fait que j'ai joué au Bioshock 2, moi j'ai adoré. Et les Bioshock. Et les critiques de ce jeu sont astronomiques. Ce jeu a été super bien noté, ce jeu, il est... Voilà, c'est un jeu que vous devez de faire, même si vous avez vu un let's play et tout. Je me suis pas spoilé, je ne sais rien. Voilà. Bref, on verra. Je mettrai cet épisode, là, cet épisode 1. S'il vous plaît, je mettrai la suite. S'il vous plaît pas, ben, je vous ferai autre chose à la place. Voilà. Bref, on va jouer. Nous sommes sur Xbox, que mon PC ne tient plus le coup. Voilà, il serait trop. Je me suis. Je vais mettre moyen parce que facile, c'est trop facile. Difficile, on n'est pas sur PC, hein. Merci, ça ira. Je pense que j'ai perdu le coup de la manette, on va dire. Si on me met sur un FPS manette, comme Bioshock Infinite, je pense que je suis un peu au fond. Bref, on va partir en moyen. Ok, c'est parti. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi.
Dis-moi, tu vas rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser, non. Que tu rames. Ramer? J'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe c'est quoi de tout? Non. Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur? C'était ton idée de venir ici. Mon idée? J'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi, ramer? Non. Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas? Non, il ne rame pas. Hein, je vois ce que tu veux dire. Nous y sommes. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra. Quelle différence après? Ça le rassurerait peut-être. Hein? Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé! Y a quelqu'un qui m'attend ici! Hé, attendez! Vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Mais qu'est-ce que... What? Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Bon, ouais, comme tu dis. Aigle d'argent. Ok, cool. Oula. Donc nous sommes sur une île. Voilà. Merci Captain Obvious. Et on est tout seul. Merci Captain Obvious. Pas ce que j'ai ramassé, mais je l'ai ramassé. Dewey, excusez-moi. Dingus the girl, je suis Booker Dewey. Je suppose que vous m'attendez. Voilà. Dewey, bring us the girl and wipe away the debt. This is your last chance. Ah, donc ils nous disent ramène la fille et on effacera ta dette. C'est ta dernière chance. De tes péchés, laisse-moi te purifier. Of these sins. Oh, mais il y a les traductions en haut à gauche. Pourquoi je me fais chier? Oh, c'est moi. Salut. Eh ben, ça a l'air sympa. C'est cool, j'ai pas besoin de me casser les couilles à traduire. Pour vous, vous avez la traduction en haut à gauche. C'est magnifique. Avec quoi en boîte? Sodom shall I lead thee. Okay. Y'a quelqu'un là-dedans? Eh oh! Est-ce que tu m'entends? Oh oh! Be prepared, he's on his way, you must stop him. Oui, bonjour. Allô? Ok. Il n'y a pas de tonalité. Ok. Pourquoi la musique s'est arrêtée quand je suis arrivé? Stop. Pas de, Nous sommes dans... Enfin non, tu me diras à l'époque. Non, on n'est pas dans un des... On s'en bat les couilles de la planète. Des petites mains cinglatées, du bazar, tout va bien. Merde. Ne nous déçois pas. Enfin, cool. Non, des appâts, une tasse. Sinon tu finirais comme ça. War. En tout cas, on est dans un phare, comme le premier BioShock. D'ailleurs, le premier BioShock a été développé par Irrational Games, alors que le second a été quoi? Mais attends, cette carte. Ah. Ok.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Wow! Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout est rouge? Je suis dans la merde. Est-ce que je suis vraiment obligé de m'asseoir sur ce fauteuil? Bon, bah, je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Merci de me le confirmer. Bon, et maintenant le... Tenez-vous prêts, Bella. Signeur, assurez votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas ça. Non, bordel de merde! Attention. Début de l'ascension dans 5. Non. 3, 2, 1. Non! Attention. Allez, mon cœur. Allez, où est-ce que tu es? Dirigez. Ah, merci. Bienvenue à Columbia. Ça y est, je le contrôle. Ah, cool, y a... La progéniture du prophète. The seed of a prophet shall see the throne and drown the flames of the mountain of man. Qui est l'enfant du prophète? Centre d'accueil. C'est très religieux comme endroit. L'agneau, le futur de notre cité. Musique.
des aigles d'argent. Excusez-moi, oh. Je suis où? Au paradis, enfin ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Bonjour monsieur. Vaut mieux pas poser de questions, je veux pas me faire remarquer. J'ai pillé la boîte à cadeaux du... Et dans mes intrigues... Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Là, 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 là! Je pille comme un sac! Alors que je suis dans un endroit qui semble très religieux. Bon, c'est pas. C'est qui cette femme? Madame Comstock. Aimez le prophète, car il aime le pécheur. Aimez le pécheur. Car vous êtes le pécheur. Et sans pécheur, quelle place pour le Rédempteur? Sans péché, quelle grâce pour le pardon? Madame Comstock. On a vu Comstock, notre père. Quand on est descendu avec une affiche. Oh ben mon frère, je suis athéiste. Ah, il va me tuer. Bref. Il y avait quoi sur ce vitrail là-haut? Gladium. Clave. Wonder Woman. Ouh la vache! Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous engageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wounded Knee plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure et avait refusé les trois dons en or des fondateurs, cela aurait suffi. Si le prophète avait accepté les trois dons en or des fondateurs et n'avait pas prié pour notre délivrance, cela aurait suffi. Si le prophète avait prié pour notre délivrance et ne nous avait pas menés au Nouvel Éden, le chemin du pardon, cela aurait suffi. Si le prophète nous avait menés au Nouvel Éden, les vipères de l'Orient, cela aurait suffi si le prophète avait éliminé les vipères de l'Orient, mais n'avait pas subi le sacrifice de sa bien-aimée. Cela aurait suffi si le prophète avait subi le sacrifice de sa bien-aimée, mais n'avait pas chassé la Vox Populi. Cela aurait suffi. Bonjour. C'est à nouveau. Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Bonjour. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du... Acceptes-tu d'être purifié? Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Ça fait mal, les mecs? Autant me débarrasser de la corvée. Hey. Je te baptise au nom de notre prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Au nom de nos fondateurs. Au nom de Columbia. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite. Je vous l'ai dit. Oh.
confiance à notre propre fierté. Non, notre fierté n'est incapable. Nous le savons. Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Ouais. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où Père Jefferson, Père Washington, Père Franklin. Nécessaire pour dominer les autres nations. Au père Jefferson, un parchemin. C'était les trois. Les trois trucs, l'épée. Chaque année, nous réaffirmons notre foi. L'épée, le parchot et la clé. Notre foi pour notre prophète. Le père Comstock. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Quoi? Mais t'es taré, on appelle ça noyer les gens. Abruti. Hein? Oh putain, le pivert, il m'a fait peur. Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes en genlique. Protège-moi et donne-moi la force. Éloi, modèle de vertu, prêt à combattre l'ignorance et la tyrannie. Au nom de l'épée, du parchemin et de la clé. Amen. Moi, quand j'étais gosse, on m'a pas appris ça. D'ailleurs, quand une ville s'envole, qu'elle est remplie de génies. C'est ça. La prochaine chat prophète montera sur le trône et des chemins. Trouver moi. Ouais. Même si je n'approuvais pas ce qu'on m'a appris. Wow. Chut. C'est beau. Je n'ai jamais mangé d'huître. Waouh. Bonjour. Bonjour. Hey. C'est ça la statue de Columbia? Ça a l'air tellement paisible ici. De préférence, mais de devoir. Oh. C'est par là. En même temps, c'est vrai qu'il y a le plus de lumière. La vox populi. Oh, ils font joujou avec la tuyau de... Oh putain, le tuyau. Produit frais. Oh, de la musique. Please wait. Désolé, va falloir attendre, comme tout le monde. Ah, pardon. La vision d'une belle ville. Le prophète Comstock nous mène au-delà de la Sodome inférieure. Un miracle. Un enfant miracle est né. Le futur de la cité est sécure et assuré, on va dire, je sais pas. C'est ça grosso modo. Voilà, c'est bon. Bonne chance pour la tombola. La tombola? Cool, je veux participer. Non, je déconne. Grande fête et tombola de Columbia. 1912. L'épée lui réussit. La clé et le parchemin. Le faux berger ne cherche qu'à égarer notre agneau. Et quoi là? Tout à l'honneur, hein. Avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée magnifique pour la fête. Et maintenant, revenons à la musique. Oh putain, j'ai peut-être bu le coup de trop. La 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 la. Je peux me balader un peu? Cool, je peux me balader. Monsieur, voulez-vous une fleur? Nous menons une campagne pour la Ligue patriotique des jeunes filles. La Ligue patriotique des jeunes filles. Flowers closed. Ah merde. Salut.
T'es un peu pixelisé, hein. Tu serais mieux sur PC, mon pauvre. Moi, j'éviterais de parler comme ça. Tu risques d'attirer l'attention. John, ne te transforme pas en extrémiste de Finton. Hmm. Je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes d'agents de la Vox Populi. C'est quoi? Bonjour. De quoi vous parlez? What? C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Oh. Un télégramme pour vous. Tu what? DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop. Lutèce. Qu'est-ce que... Ne tirez pas le numéro 77. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Merci. Si je vous disais que je vais lancer des éclairs du bout des doigts, me croyez-vous? Ne tire pas le numéro 77. Qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs, me croyez-vous? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des bilvesets. Wow. Ce ne sont pas de ces histoires. De la magie. Non, messieurs. Non, mesdames. Approchez, messieurs, dames. Ce sont les jeunes. La Vox Populi, ça le trouve dans nos rues. Qui va les arrêter? Bonjour. Déferlante. 375. C'est animé, dis donc. Un Big Daddy. Ah. Je déconne. Cher ami, avez-vous déjà perdu de l'argent dans un distributeur? Un téléphone a-t-il déjà refusé de vous connecter à votre moitié? Alors, il est temps de reprendre le contrôle aux machines. Ouais. Avec possession, c'est vous le maître. Faites obéir n'importe quelle machine. Ok. Je vais en prendre un. Un simple murmure, ils sont à vous. C'est quoi? Ah, c'est un truc à boire. Un cœur. What? Press to turn machines into allies. Ah, j'adore. Relie une machine à votre cause. Qu'est-ce que c'était que ça? Cristaux. Ok. Désolé, l'ami, ce n'est pas possible. Mais je t'emmerde. Tiens, mais voilà notre bon député Buford. On vous attend à la tombola. Bonjour. Bill ou face? Hein? Allez, laissez-moi passer. Bill ou face? Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage. What? On verra la prochaine fois. Tu as sans doute... Ils sont tarés? Et quand le nom de pile ou face? Hein? Mais what? Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, le Songbird, c'est Big Daddy en fait. C'est Big Daddy version BioShock Infinite. Faut le savoir. C'était connu, on va dire. Il a l'air perdu. Oui. Moi, il m'a l'air très bien. Bonjour. Mais tu es vraiment irrécupérable. Ok. Elle. Chantez les louanges de Songbird, il est le protecteur de l'agneau. Ça pue
La merde. Mon modèle? Mais Madame Comstock, bien sûr. Que notre prophète la bénisse. D'où tu sors ce truc? Ce petit bijou? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Tu recrutes pas dans le groupe? Ça a l'air cool ton truc. La Vox Populi. What? C'est Benjamin Franklin? Yo, cowboy! Constance Field. Madame Hutesse, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Qu'est-ce que... Oh oh. C'est moi qui laisse de marque. We want you to be to the tombola. Ça se dit pas tombola en anglais, mais c'est pas grave. Y'a quoi par ici? Je flâne, excusez-moi. Police! C'est le numéro 77 que je dois pas tirer, on est d'accord. Fermé sur ordre du prophète, Monument Island. Island. Hello! En tout cas, il y a d'avoir la musique par là. Depuis un an. Jérémien, comment? Fink. Oui. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. Oh oh. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi. Oh merde. N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Colombia? Mouais, elle est un peu moche. Eh ben, quelle surprise. Eh merde. Numéro 77. Votre prix vous attend. Oh. Quoi? Hein? Alors, vous la lancez? Ou vous aussi vous buvez votre café bien noir? Oh, mais c'est qu'on a un petit timide. Il va falloir faire quelque chose. Je suppose que j'ai... Mais ta... Ta gueule! Alors c'est quoi cette marque, petit? Oh oh. Je ne savais pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger. Et on ne veut pas voir de faux berger dans notre troupeau. What? Non. What the da? Tiens, fallait pas me péter les couilles, moi. Je suis pas le genre de mec sympa. Fallait pas que je me fasse remarquer. Fallait pas que je sois plus 77. Et fallait peut-être pas que je lance ça sur le présentateur non plus. C'est vrai. J'aurais peut-être dû. À cette époque-là, c'était l'apartheid. L'apartheid, je crois.
Donc ça me paraît logique que j'aurais dû le lancer sur le couple. En tout cas, il est cool mon truc. Ah oui, merde, c'est vrai que... Oh putain, merde. C'est là que je regrette de pas être sur PC, putain. Comment on recharge? AX, ok. Ah cool, je peux viser. Je sais pas s'il faut que j'aille là. Ok. C'est un peu le dawa. Munition de pistolet, parfait. J'ai une grosse aide à la visée quand même. Grosse aide à la visée. Ok. J'ai foutu. Le pyromane arrive. Alors, de toute urgence, j'aimerais un peu de vie, s'il vous plaît. Ok. Monument Island. Bonjour. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? You serious? Un tonique. Le baiser du diable. Le baiser du diable? On n'a qu'une vie après tout. Oh oh. Oh. Ouh. Bon, et eh bien, point de plasmide. Don't kiss. A fiery grenade. Boom. Je m'attendais pas à ça. Bah ouais, en même temps. Le baiser du diable. Oups, oups, oups. Comment? C'est la fête! Aïe, aïe, aïe. Comment on change? Non, c'est pas ça que je veux. J'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loi auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mais ouais, quittez car je me casse.